Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi 25 ou 24, un truc dans ce style-là, voilà. Et je suis encore en vacances, je reprends le boulot. Donc là lundi, j'avais pris des petits congés là pour me reposer un peu. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de l'album Lady Vagabond et Sir Vagabond. Il est enfin terminé, décoré. Bon, il n'y a pas les photos encore à l'intérieur parce que je n'ai pas encore fait mon choix de photos. Mais sinon, il est complètement terminé et je suis contente de l'avoir terminé parce que j'ai passé du temps dessus. Mais je suis très très contente du résultat. C'est vraiment ce que je voulais faire. Donc on y va, c'est parti parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop trop longtemps. Donc alors, on va commencer par la tranche. Donc l'album, je crois que je vous l'avais dit, il fait 28 de longueur sur 21 de largeur, donc c'est quand même un gros bébé, hein, voilà, il est assez lourd, il est assez conséquent à l'intérieur. Donc je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais fait un album un peu tout déstructuré et j'ai beaucoup aimé faire ce projet. Déjà rien que le fait de travailler avec des papiers estampillés, déjà c'est le top, et puis quand on a des beaux papiers comme ça, c'est encore mieux quoi. Voilà, donc on y va, c'est parti pour la tranche. Elle se présente comme ceci. Donc là, bon, c'est les. Vous pouvez voir devant en fait. En fait, j'ai collé du papier de riz aussi sur mes couvertures que j'ai fait donc revenir sur la tranche des deux côtés. Donc j'y ai mis un embellissement. Ça vient de chez Lady Vagabond avec donc des petites images, enfin des images, des die-cuts plutôt, que j'ai tout. Alors j'ai détouré toutes les étiquettes. Tous les die-cuts, j'ai tout détouré, j'ai tout maté sur du craft, tout ancré, voilà, en noir, pour donner donc du relief en fait, voilà. Parce que bon, bah, tout est monté en fait en 3D, bon, on ne le voit pas vraiment, mais tout est monté en 3D, voilà. Donc la tranche, je n'ai rien fait de plus parce que bon, ça me suffit, moi elle me plaît comme ça. Ensuite, le dos de l'album se présente comme ceci. Donc ça, c'est Sir Vagabond. Voilà, donc on le retrouve ici en petit. Donc toujours pareil, j'ai mis donc la montgolfière en papier de riz. Ensuite, je suis venue détourer donc, celle du bloc 30-30 que j'ai monté aussi, donc tout en 3D, voilà. Et je suis venue rajouter en plus dessus quelques petits éléments en bois que j'ai passé avec, enfin que j'ai ressorti un petit peu mon matériel de commande mix média que j'ai ancré et j'ai fait un peu effet rouille, voilà, vieilli. Et j'ai mis donc là à la place des roues de la locomotive, j'ai rajouté aussi là des petits embellissements de la collection. Là, des petites étiquettes, toujours pareil. Donc toutes les étiquettes de l'album que vous allez voir sont toutes matées, ou sur du craft, ou sur cette couleur-là, ou sur du papier noir, ancré bien évidemment, et toutes sont montées en 3D. Voilà. Comme ça, je ne le redirai pas à chaque fois. Elles sont toutes montées en 3D et matées. Voilà. Donc ça, c'est la page de dos. Et donc la page de couverture de l'album, c'est Mademoiselle Lady Vagabond. Voilà. Donc là, pareil. Je suis venue donc au début mettre donc un papier de riz sur la couverture. Ensuite, je suis venue détourer Mademoiselle, voilà. Je suis venue détourer Monsieur le Chat aussi. Les valises, voilà, pour donner un rappel du papier de riz. Et le tout, bien sûr, monté en 3D. Voilà, comme là, on peut le voir un peu mieux. Voilà, hop. Des petites étiquettes de la collection. J'ai rajouté ici deux angles en métal. Ça, c'est du matériel que moi j'achète sur AliExpress parce que franchement, c'est pas cher et on trouve des super trucs. Et là, je suis venue faire une sorte de bijou d'album avec une petite cloche. Alors ça venait d'un. En fait, j'avais tout gardé. C'était un mobile que j'avais installé dehors, mais ça faisait tellement de bruit quand il y avait du vent que j'avais tout démonté et j'avais gardé toutes les pièces en fait. Et là, ce sont des petites clés de chez Action qu'on avait eu à une certaine époque. Et ça, c'est pareil, ce sont des embellissements que j'ai achetés sur AliExpress. Et d'ailleurs, je pense que je vais repasser commande de ce genre d'embellissements parce qu'ils sont super chouettes. Voilà. Donc ça, c'est la page de couverture. Donc j'ai pas opté pour fermeture parce qu'il tient très bien debout et puis j'avais pas envie de mettre de ruban ou quoi que ce soit. C'est pas le but de l'album. Voilà. Donc on y va, c'est parti pour la première page. Enfin la première page, la page de couverture. Là, j'ai simplement fait une pochette. Voilà, toute simple. Je suis venue ici rajouter un petit cadre en métal. Ça, je crois qu'on avait eu ça chez Action à une période. Avec une petite étiquette à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est la collection Lady. Et donc là je suis venue y mettre un petit tag
un double tag en fait, voilà, tout simplement pour y mettre les photos après, voilà, recouvert devant et derrière là avec une petite étiquette aussi. Et en fait je me suis servi des cartes qui sont bien pratiques, les cartes de chez Action, voilà, qu'on trouve dans les kits d'enveloppe, et ça c'est juste génial, comme ça ça ne gaspille pas de papier craft. Hop, on va la remettre tout de suite dans sa petite pochette. Et là, bah, c'est la petite chaînette hein, qui va avec le bijou. Ensuite, cette page-ci, hein, c'est pas évident parce qu'il est tellement gros le machin. Donc, c'est Mademoiselle Lady. Voilà, dans toute sa splendeur. Pareil, détourée, matée, machin, montée en 3D avec plein de petites étiquettes autour. Voilà. Et quand on ouvre Mademoiselle, alors je vais essayer de pas me tromper parce que du coup, je suis à l'envers. Voilà, donc on ouvre comme ça. Essayez de vous faire voir sur toute la hauteur. Donc là, j'ai rien fait. J'ai pas fait de décoration parce qu'il y a les aimants et quand il y a trop d'épaisseur, après ça n'aimante plus. Mais bon, je pourrais y mettre quand même deux photos. Et là, ensuite, je suis venue faire deux pochettes. Une ici et une ici. Où donc je suis venue faire donc des petits carnets pareils. Voilà, en craft. Pour pouvoir y mettre des photos, bien sûr. Voilà. Hop, dans sa petite pochette. Et là, pareil, hein, le même carnet. En craft aussi. Ah non, celui-là, il n'est pas en craft. Alors, savoir que des fois, je mattais en craft, comme ça. Des fois, je mattais avec la couleur chocolat. Des fois, je mattais en noir. Ça dépendait un peu des papiers que j'utilisais. Parce que je trouve que ça, toutes les couleurs vont très bien. Et bon, ça donne un cachet supplémentaire à l'album. Voilà. Et ensuite, hop là, et ensuite, quand on referme la page, on tourne, on se retrouve donc avec Monsieur Sire Vagabonde. Voilà, vagabond plutôt, parce que vagabond c'est féminin. Et pareil, quand on ouvre, donc on a donc toujours là l'emplacement pour mettre deux photos, et le même principe, donc une pochette en haut, une pochette en bas. Hop, voilà. Donc deux petits carnets également, un en craft et là du coup il est maté en noir, voilà, donc avec les cartes de la collection qui sont juste trop top, c'est vraiment, franchement cette collection de papier elle est vraiment à tomber, je suis vraiment tombée en amour pour ce papier, hein. De toute façon je vais racheter la collection, ça c'est sûr pour l'avoir, parce que c'est vraiment trop beau. Et donc on referme, ensuite là j'ai fait... Donc là, cette page-là prenait toute la longueur de l'album. Ensuite, j'ai fait une page 20-20. Donc, avec le thème de Monsieur. Donc, Monsieur, la première page, c'est... Donc, j'ai gardé l'intégralité du Monsieur avec l'ange, en fait, voilà. Donc, je suis venue tout détourer les ailes. Voilà. De manière à former une pochette. Ici, là, voilà. Et puis, dans cette pochette, je suis venue y glisser, donc, un double tag, pareil. Donc là, en craft, cette fois-ci. Donc avec bien sûr le même thème, hein, voilà, et qu'on vient glisser donc dans sa petite pochette. Alors à l'envers évidemment c'est pas facile, je voudrais pas faire de bêtises, voilà, et qu'on vient glisser donc dans son petit compartiment, si j'y arrive, voilà, bon, c'est pas grave, je le mettrai après comme il faut, voilà. Et donc là je suis venue y rajouter, hop, reste là, des petits angles en métal, comme ceci, des petites étiquettes toujours matées, bien sûr, hein, voilà, une en haut, une en bas, voilà. Ensuite, quand on tourne cette page-là, on se retrouve derrière avec, donc toujours la collection Monsieur, le paysage, pareil, que j'ai tout détouré, voilà, pour pouvoir y former une petite pochette, voilà, parce que je voulais garder quand même les papiers en entier, hein, parce qu'ils sont tellement beaux, donc là, avec une petite étiquette. Et donc là, j'ai fait deux tags aussi. Là, j'ai rajouté des petits engrenages en métal. Tout ça, ça vient de chez AliExpress. Voilà. Et celui-ci aussi, là où j'ai mis une petite clé. Et donc derrière, on pourra y mettre donc, deux photos. Bon, je remettrai les tags après. Et là, quand on ouvre, hop, on se retrouve aussi donc, avec le même paysage. Mais sauf que là, il est en couleur. Là, il est en noir et blanc. Et pareil, je l'ai détouré pour garder donc l'intégralité. J'ai rajouté une petite étiquette ici. Et là, j'ai fait aussi un double tag comme ceci. Donc là, en craft. Et là, j'ai fait un tag simple. Voilà, hop, pour pouvoir y mettre une photo aussi derrière. Et là, bien sûr, c'est un double tag qu'on peut ouvrir pour mettre des photos à l'intérieur.
Voilà. Hop, hop, du premier coup. Et là, sur cette page-ci, donc toujours de la page monsieur, j'ai fait une pochette sur le côté, donc avec des die-cuts de la collection, bien sûr. Et puis là, pareil, j'ai fait un double tag. Là, cette fois, maté en couleur chocolat et un tag le tout simple, maté en noir. Voilà. Et donc, j'ai gardé, bien sûr, évidemment, le même thème, hein, puisque là, j'avais choisi, pardon, de faire le thème du petit village. Donc, en fait, dans chaque page, en fait, j'essaie de garder tout le temps le même thème. Voilà. Ensuite, on va passer, ça j'y remettrai après, ou peut-être que je vais y réussir à l'envers. Je ne voudrais pas casser mes trucs. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, là, on passe à Mademoiselle. Mademoiselle. Donc, Mademoiselle, là, j'ai fait deux petites pages. Voilà. Je ne sais plus combien elles font. Elles doivent faire 15 sur... je ne sais plus. J'ai pas ma règle, là. Enfin bref, j'ai fait deux petites pages. Je vais essayer de vous les faire voir comme ça sera plus pratique. Voilà. Voilà. Donc je vais vous les détailler. Donc la première en haut, donc là je me suis servi des livres de la collection. Pareil, que j'ai tout détouré. Ensuite, je suis venue faire un petit rappel en 3D des livres aussi. Donc qui sont montés en 3D là. Voilà. À l'intérieur, j'y ai fait un tag, un double tag. Voilà, maté en couleur chocolat pour pouvoir y mettre des photos qui vient donc se loger dans sa petite bibliothèque. Pareil en bas. Ouf là, voilà. Il est très lourd en fait, c'est pas facile. Pareil en bas. Donc j'ai fait la même chose, sauf que là j'ai pas mis la bibliothèque, j'ai mis une étiquette et toujours pareil le petit tag, double tag. Hop. Voilà, hop, maté en chocolat pour pouvoir y mettre des photos. Hop, est-ce que je vais réussir? Non. Non, bon, je la remettrai après, c'est pas grave. Ensuite, quand on ouvre ces petites pages, donc en haut, donc toujours Lady, hein, bien sûr. Hein. Là, c'est pareil, j'ai voulu garder l'intégralité des pages, des motifs en fait. Donc là, c'était sur le thème des valises. Donc quand on ouvre, on se retrouve donc hop, avec la grande valise. En fait, voilà. Je l'ai détourée que sur un côté pour pouvoir y glisser un tag, pour pouvoir mettre une photo. Donc là, on a donc l'intégralité des bagages. Voilà. Et là, on vient y glisser donc, le petit tag. Donc tout ça, c'est aimanté. Hein. Toutes les pages tiennent avec des aimants. Je peux vous dire que des aimants, il y en a, je ne pourrais pas vous dire combien, mais il y en a énormément. Et donc là, je suis venue monter aussi en 3D, donc les petites valises. Parce que le fait d'avoir une collection 30-30, une collection 20-20, ça faisait beaucoup, beaucoup de die-cut à détourer, à découper. Donc il y en avait des gros, des petits. Et franchement, c'était top, quoi. Et il m'en reste pas mal. Et je ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous faire voir tout ce que j'ai utilisé, les papiers qui me restent, les chutes et tout. Parce que franchement, j'ai trop bien optimisé tous mes papiers. C'est le top. Et ensuite, donc celle du bas, pareil. Donc là, je suis restée sur le thème de Lady. Donc, on a Mademoiselle, hop, en intégralité, voilà. Et pareil, là, j'ai fait donc un petit tag détouré sur le côté. Hop, voilà, ici, là, il y a le petit tag. Et voilà, quoi, voilà. Et donc, tout se ferme par un aimant. Et là, j'ai fait une petite composition en montée en 3D aussi avec des petits tags, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai détouré juste la partie en haut pour pouvoir... c'est vraiment pas facile, hein, il est tellement lourd, moi je peux pas filmer autrement. Voilà, donc là, ça vient se glisser ici. Hop là, voilà, donc on referme. Donc ensuite, une page monsieur. Donc là, je me suis servi de la page 20-20 de la Montgolfière qui est juste magnifique, là, avec la locomotive en bas. Donc, je suis venue faire une cascade. Donc, j'ai voulu garder, évidemment, bah, l'intégralité du motif. Voilà. Donc, là, c'est pas facile du tout. Donc, je suis venue, hop, découper donc, une première carte, en fait. Et après, j'ai calculé de manière à ce que ça me fasse l'intégralité. Donc, j'ai fait le nombre de pages qu'il me fallait. J'ai découpé mes bandes de 1 cm, voilà, pour pouvoir me refaire le dessin entièrement. Et donc, après, on viendra y glisser les photos. Enfin, je viendrai y glisser les photos après, voilà. Et donc le tout s'est retenu par des aimants bien sûr,
Voilà, avec aussi un die cut du même thème et une étiquette aussi en haut ici mattée et montée en 3D. Voilà. Ensuite, quand on tourne la page de monsieur, on se retrouve avec monsieur en grand, comme ceci. Là, sur son chapeau, à l'origine, il y a une horloge. Donc, moi, je suis venue y mettre une horloge en métal, pareil, que j'ai acheté sur AliExpress il y a très longtemps. Ce sont des lots, en fait, voilà. Et je suis venue y prendre donc une petite chaînette avec une autre petite horloge. Voilà, une petite pendule, enfin, une montre plutôt. Voilà. Donc, là, on a monsieur. Et là, c'est pareil, je suis venue monter donc un die cut en 3D. Voilà. Et quand on ouvre monsieur, on a ici une pochette sur le côté avec un double tag. Et une étiquette montée en 3D, comme ceci. Donc, pour pouvoir y mettre des photos, bien sûr, parce que le but, c'est d'y mettre des photos. Hop. Voilà. Bon, ça sera tordu, c'est pas grave. Donc, une même pochette en bas, pareil, avec une étiquette montée en 3D. Voilà. Avec monsieur et ses ailes. Hop. Ensuite, sur la page d'à côté, on a une pochette, tout simplement avec un die cut monté en 3D, une carte double tag avec, donc là c'est pareil, sur le tag il y avait cette pendule là, mais moi je l'ai monté en 3D également, voilà. En fait dans la collection, et là donc derrière on a monsieur, voilà, parce que c'est juste trop beau quoi. Dans les collections, en fait, il y a beaucoup de... par exemple, tout ça, on les a en die-cut, ça, on les a en die-cut. Il y a les lunettes, on les a en die-cut, donc on peut faire beaucoup de montage. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce papier, en fait. Et c'est pour ça que je veux me racheter la collection, parce que j'ai plein d'autres idées avec ce papier. Et franchement, et puis, ils ont sorti des nouvelles planches de die-cut aussi, et j'ai vraiment trop envie de me la racheter, quoi. De toute façon, je vais me la racheter, ça c'est sûr. Voilà, ensuite on termine avec Madame. Donc Madame, là je suis venue faire une petite frivolité. Parce qu'à la base, j'avais mis des aimants. Mais vu l'épaisseur, en fait, c'était plus assez fort pour tenir la page. Donc du coup, je suis venue faire deux petits trous. Et je suis venue mettre un ruban et un raffia pour tenir. Donc la première page, c'est les petites maisons. Donc je vais enlever les tags. Vous vous rendrez mieux compte, voilà. Donc en fait, ce sont les petites maisons. Donc ça, c'est bloc 20-20 que je suis venue détourer donc, pour faire des pochettes. Et donc dans ces pochettes, j'ai fait des petits carnets comme ceci, voilà. Pour y mettre des toutes petites photos, parce que moi, j'ai des petites photos en 9x6. Voilà, un peu plus grandes que les photos d'identité. Donc ça, c'est parfait. Parce que maintenant, on peut faire des photos au format qu'on veut. On va les mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc là pareil, son petit tag qui vient se loger là, voilà, comme ceci. Ensuite, quand on ouvre, donc, hop, voilà, on ouvre comme ceci. Donc ça, c'est la partie normalement qui devait tout m'aimanter, mais malheureusement, avec l'épaisseur, ça s'aimante très mal. Donc à l'intérieur, j'ai fait... tout simple, voilà, je me suis servi donc de l'intégralité de la page 30-30 pour faire cette page-là. Parce que là, pour pouvoir y mettre une photo ici, et sans avoir trop d'épaisseur non plus, parce qu'il y a quand même les aimants. Et au milieu, je suis venue faire juste un tag aimanté, tout simplement, voilà. Un grand tag, pareil, où on peut mettre trois photos ou plusieurs petites à l'intérieur, après ça dépend. Et qui vient s'aimanter aussi dessus. Alors attendez, je ne sais plus dans quel sens, mais je sais que ça s'aimante. Dans ce sens-là, peut-être. Non, c'est pas celui-là. Ah, moi, que ce soit pas celui-là. Je me demande si je me suis pas trompée de tag. Ah ouais, je me suis trompée de tag, en fait. C'est pas celui-là. Faut que je retrouve l'autre tag. C'est pas celui-là qui va là, normalement. Je me suis trompée de tag. Enfin, bref, c'est pas grave. Enfin, à la base, voilà, il y a plein d'aimants en dessous. Et il y a un tag qui vient s'aimanter, donc, dessus. Mais c'est pas celui-là. Non, non, c'est pas celui-là, ce qui tient pas, c'est celui-là. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, un grand tag qui vient s'aimanter là-dessus. Voilà, donc là, je vais refermer en espérant que ça tienne le temps que je finisse. Donc là, ça vient s'aimanter là-dessus. Et vous voyez, avec l'épaisseur, bah, ça tient plus en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté ça de manière à pouvoir tenir les pages fermées. Bon, je refermerai après.
Et en fait, après, quand on tourne cette page-ci, on se retrouve donc encore avec Mademoiselle, puisque c'est la page dédiée à Mademoiselle. Donc là, j'ai simplement fait une petite pochette avec un montage 3D de Mademoiselle avec son petit chat. Une petite étiquette en 3D ici. Là, pareil, un petit carnet où j'ai monté une petite étiquette en 3D dessus. Donc là, maté sur du craft où on peut mettre 3 photos. Là, j'ai fait une sorte de petite pan, enfin de petits bijoux avec les petits tags de la collection où j'ai tout maté en craft. Voilà. Et je les ai pendus et j'ai mis 2 étiquettes de la collection. Et là, le papier que vous voyez, en fait, c'est pas de la collection. C'est un papier que j'ai pris d'un des blocs de chez Action. Parce que j'avais besoin d'un papier de fond et j'en avais plus dans les collections. Et du coup, j'ai pris celui-là parce qu'il va très bien. Voilà, c'est un des seuls papiers que j'ai d'un autre bloc que j'ai utilisé. Et là, quand on ouvre, donc on a donc encore ici une pochette sur le côté où j'ai rien fait là, parce qu'il y a les aimants. Là, j'ai fait 2 doubles tags, donc pour mettre 3 petites photos. Je suis venue monter Mademoiselle en 3D aussi. Voilà, je me suis servi aussi du reste de la page du bloc de chez Action. Et là, sur cette page-là, donc ce sont les portes que j'ai détourées aussi, voilà. Donc quand on referme, voilà, ça fait ça. Ça, c'est le papier dans son intégralité. J'ai détouré et pareil, je suis venue faire un double tag. Hein, comme ceci, la montée sur du craft pour pouvoir bien sûr y mettre des photos. Voilà, voilà. Donc on va refermer. Et donc sur la dernière page, j'ai fait tout simple. J'ai juste fait une pochette sur le côté. Et mis un grand double tag, voilà, tout simplement pour pouvoir y mettre des photos. Et là, j'ai juste rajouté, donc dans le même thème que les ailes, un petit die cut, toujours monté en 3D, bien sûr. Voilà, bah j'espère que cet album vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Franchement, c'est du boulot, hein, monter un album aussi gros, c'est du boulot. J'aurais bien aimé vous le filmer autrement, malheureusement, je n'ai pas trop de... Je ne suis pas équipée pour, hein, concrètement, et puis j'ai pas un temps d'acheter pour le moment. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien quand même. Il me reste du papier, je ferai une autre vidéo quand celle-ci aura téléchargé, parce que moi je ne peux pas trop faire non plus, sinon ça bug à fond. Je referai une vidéo et je vous ferai voir le matériel que j'ai utilisé, les papiers qui me restent. Et parce que j'ai un autre petit projet, sinon là j'ai très envie de m'acheter la collection les voyages fantastiques de Stamperia, parce que les papiers sont juste beaux aussi et ils ont sorti des nouveautés en plus sur les collections, et j'avoue que je suis bien tentée. Donc là justement j'étais sur le site de chez Craftelier pour voir un peu ce qu'ils proposent et les prix aussi. Voilà, en fait j'essaye de faire plusieurs sites et j'essaye de trouver les moins chers possibles, parce que bon voilà, hein, c'est des papiers qui coûtent quand même assez cher. Mais bon, ils sont tellement agréables à travailler que c'est juste du bonheur, quoi. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, sur la structure, je l'ai faite avec un calendrier en dur. Voilà, vous savez, les très grands calendriers en dur qu'on a. Et en fait, quand j'ai collé mon papier, j'ai passé du vernis colle sur mon papier, ce qui a donné un peu un aspect un peu vieilli, en fait, au papier. Voilà. Et ça le protège aussi de la poussière. Voilà. Et franchement, j'adore. Il est vraiment top. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis j'espère qu'il y aura les commentaires surtout, et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous tout le monde!